Aujourd'hui, on va parler du pouvoir et de Michel Foucault. Et super bonne nouvelle, ce que Michel Foucault nous explique, c'est que là où il y a du pouvoir, ben, il y a du contre-pouvoir. Il y a de la résistance au pouvoir. Et ce que nous montre aussi Michel Foucault, c'est que le pouvoir, c'est pas un type qui décide ou un groupe de personnes qui décide et qui gère la société. Le pouvoir, il est partout. À partir du moment où il y a de l'humain, il y a du pouvoir. À partir du moment où il y a une interaction entre deux humains, il y a du pouvoir. Il explique que le pouvoir, c'est des actes. Et mieux que ça, le pouvoir, c'est relationnel. Je ne peux pas le posséder. Moi, je ne peux pas posséder du pouvoir. Je ne possède pas du pouvoir comme on possède de l'argent que je pourrais distribuer ou donner à mes enfants, etc. Le pouvoir, c'est quelque chose qui existe à un instant T entre deux personnes. Et c'est ça qui est très important. C'est de comprendre que cette relation de pouvoir, elle est uniquement liée à la relation que les deux personnes ont. Et Foucault nous dit, ça marche pour l'école, ça marche pour la famille, ça marche à l'emploi, ça marche dans les genres, ça marche dans les rapports avec les immigrants, ça marche avec tout. Il y a un rapport de pouvoir qui apparaît tout de suite quand deux individus interagissent. Et ce que nous montre Michel Foucault, c'est qu'en plus ce pouvoir, pour pouvoir se structurer, pour pouvoir se renforcer, pour pouvoir être stable, il utilise le discours. Et c'est cette relation entre le pouvoir et le discours que Foucault essaie de comprendre. Mais, bon point, excellent point, si un discours existe, on peut créer un contre-discours. On peut aller à l'encontre de ce discours et on peut réfléchir pour lutter contre ce discours. Et ça, c'est notre capacité humaine, justement, à résister au pouvoir. Et on peut retrouver ça dans toutes les relations. Donc, à partir du moment où il y a du discours, il y a du contre-discours. Et s'il y a du pouvoir, il y a la résistance au pouvoir. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc ça, tout ça, c'est à penser. Et donc il faut maintenant penser, surtout quand on est dans un rapport de pouvoir, il faut penser au discours qu'on va utiliser contre le pouvoir qui est face à nous. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo.